Salut et bienvenue tout le monde. Dans le monde moderne qui a une technologie qui est très avancée, les hommes ne sont pas suspendus de créer. Ils ont tellement créé, ils ont même créé des bagailles qui peuvent même remplacer eux encore. Ils ont un paquet d'entreprises dans le monde, le travail qu'ils ont fait, ils ont remplacé eux avec robots. Quand il y a question robot à tellement loin, ils ont pas seulement remplacé employés, robots ont commencé à remplacer femmes. Et c'est dans tout sens, oui, mes amis. Nous connaissons un pile dans nous à demander quand le monde s'est appelé. Même moi, ces questions, ça m'a posé. Moun ka même gen relation avec yo, ça veut dire pour le moment, yon moun ka choisi vivre avec yon robot, gen la kaili comme femme li. C'est pas première fois n'ap tande bagay qui vle remplacer femme. Développeur yo analyse comportement en série de êtres vivants pour développer une série de robots qui ka accompli même tâche yo. Nan question Chanel qui pote bon information que nous pat konnen, nous c'est top là. Et n'a fait OS à chaque fois n'kite yon like, abonnez et puis pas oublier activer petit cloche là, yon façon pour nous joindre une notification chaque lèn la gen une nouvelle vidéo. Nadine t'a développé à l'aide de une technologie de pointe juste pour te agir tant kou yon moun. Li gen une caméra profondeur 3D, yon microphone et puis yon webcam pour contrôler tout ça loué juste pour ka konnen différents visages, gestes, émotions et puis comportement. Si toutefois tu apparaît devant robot ça, n'importe l'autre apparaît encore l'app konn se ou. C'est un robot qui konn ki lè pour réagir. Si ou parle avec elle, li konn ki lè pour fâché, ki lè pour content, ki lè pour sourire. En fait, li konn toute réaction pour faire dans une conversation. Li gen une belle mémoire, li ka songe un paquet de bagay et en plus li parle 6 langues: anglais, français, espagnol, chinois, hindi et puis japonais. Donc, si vous ne parlez pas dans la langue, vous n'avez pas aucun problème pour une belle conversation avec elle. Sophia, c'est un robot humanoïde qui est développé par une société qui est basée à Hong Kong, qui est Hanson Robotics. Et c'est le premier robot qui arrive à une citoyenneté en pays. Par exemple, nous faisons Haïti, nous sommes Haïtiens. Eh bien, robot ça dans le pays qu'elle fait là, l'hypothèse nationalité a et l'y considéré comme un citoyen. Li gen droit dans société a même Jacques tout le monde. Sophia Jodia li c'est officiellement une citoyenne arabe saoudienne. Et c'est un robot qui extrêmement populaire. Robot ça apparaît dans plusieurs interviews déjà. Ensen qui c'est moun qui fait robot Sophia pensait qu'elle est vraiment parfait pour accompagner grand moun yo dans maison retraite yo. Li ka même animé un programme. Robot Sophia gen un paquet de compétences et toute capacité ça yo permet li bien comporter lak moun. Robot ça équipé d'un paquet de technologies qui très avancé. Li agit de façon naturelle, c'est comme si c'est avec un moun ou t'ap parler. Tellement expression visage li paraît réel. Sophia c'est un robot qui pi avancé dans monde là. Erika c'est un robot japonais qui créé par Hiroshi Ishiguro qui c'est directeur laboratoire robotique intelligent dans l'université Osaka. C'est un robot humanoïde qui pi intelligent qui développé au Japon. C'est un robot qui est très réaliste, mais qui manque un simple petit détail pour te assembler parfaitement tant que yon moun. Mais ça pas empêcher un pile moun le ouè visage li pour yon penser c'est un moun même j'a avè yo. Robot sa gen yon capacité pour communiquer avec moun qui très avancé. Li konn ki jan pour répondre à chaque fois un moun parle avec elle. Et li konn tout geste pour le faire. Concernant communication, robot sa semble fait spécialement pour ça. Dans yon dialogue, j'aime sot di nou an expression visage li très naturel. Li gon série de gestes la fait en kou yon moun. Mais li manke yon bagay tout petit pour te ka presque pas fait en kou yon moun. Li pa ka marcher parce que pati en bay ou pa développé pour ça. Dja. C'est sûr que première fois ou robot ça, ou ap mande est-ce que c'est un robot ou bien c'est un moun. Même moi m'te dans confusion ça tout. Dja c'est un robot humanoïde qui développé par une équipe dans l'université science et puis technologie en Chine. Dja considéré comme pi belle femme en Chine, li ka parler et puis répondre si ça nécessaire. Même si parole li yo pa fin sorti trop bien. Mais Dja remplace ti défaut ça avec apparence li tankou yon moun, mouvement gelio et puis façon li fè lèv li yo, lè la parler. Mais ou nan bagay ki étrange, c'est que li adresse moun ki créé li yo tankou monseigneur. Li remen répond yo monseigneur. Nous pas konn si c'est une question qu'il ti. Mais c'est comme ça toujours répondre mettre li yo lè la parler. Yo développé robot ça de façon pour gestes, comportement, émotion, katankou yon moun. Équipe qui fait robot ça travaille toujours pour yon rendre li pi humain que possible. Ça qui arrive 2022-2023, robot ça passe bon côté et puis ou pensez c'est un monde.
Harmony. Dans tout robot qui na lisa, Harmony c'est robot qui pi développé pour vivre dans kay. Et c'est pas seulement vivre dans kay. Li ka satisfait pi fort besoin un garçon. Ça veut dire yon garçon ka décidé vivre avec pendant toute ville sans besoin yon femme. Même si m'pa prenne décision ça. Chaque robot gen yon tâche que yon accompli, kon sa tout gen ki ka accompli plusieurs en même temps. Eh bien, Harmony développé juste pour satisfaire désir sexuel yon garçon. Li ka parle même kembe yon conversation. Li songe tout sa yo te dil et li ka utilise information sa yo pendant toute conversation. Robot sa coûte à peu près $10,000. En pile moun ki dépense $10,000 sa di yo satisfait. Donc si ou pa prêt pour séparer de $10,000, ou pa ka posséder robot sa. Jean de robot sa yo commencé très populaire partout dans monde lan. Moun ki créé yo a fait qu'on n'est pas gen différence, les wa ki yon robot et puis yon fi. Pas considérer ça comme yon surprise. Sinon quelques années encore, autant de ces robots cap marié. Bon, nous pas espérer ça. Fred. Robot Fred l'a développé par entreprise NG Merit Ads et c'est un robot humanoïde qui très réaliste. Robot humanoïde yo, c'est une série robot qui semble ak moun. Très souvent robot ça gen tête avec yon corps. Yo gen apparence qui fait référence ak moun. Robot Fred là au fait pour sembler ak yon personnage 55 ans. Cheveux semblé ak cheveux moun normal et puis pou fait ak silicone. Li presque tan kou yon moun et li gen yon logiciel intégré juste pour ka converser ak n'importe moun et puis répondre ak toute question ki ou ta pose. Si robot sa fache la fòre sa, et li ka même fait action. Par exemple, krasé kèk bagay ki bon kote l. Yo t'ap fè yon test ak robot Fred la nan restaurant, li te fache et puis il te krasé verre ki te nan men lan sou table la. Robot cuisinier. Gen yon série de robots ki yo créé qui la spécialement pour faire manger. Et pas bouyi vide non s'il vous plaît. Si c'est à ça, à quoi bon yon robot comme ça ta existé? Robot sa développé pour ça avec yon technologie qui très avancée. Li ka lave tout bagay yo, rache yo, kwit manje a bien rapide tant kou yon bon chef cuisine. Côté yon moun ka pran inet temps pour préparer yon manje, robot sa yo a pran 30 minutes. Mais cependant, gen yon série de recettes que robot sa poko ka fè. Yo pensé développer le plus toujours pour qu'a prendre vaisseau sale, laver yo et puis mettre yo dans place qui fait pour ça. Bon, rete, robot yo presque prend toute activité yo nan men. Même massage yo pa kite moun fè pour nous. Robot sa yo ka fè massage pour n'importe moun et c'est pas un simple massage nan dos. C'est un bon massage dans presque toute partie nan corps. Yo juste programmé robot a bien avant massage là. Après robot a fin analyser partie qui red nan corps moun nan, l'a mettre là en action. Et massage ça pas fait n'importe comment. Si robot a senti côté a fait moun nan mal, l'a fait le pi doucement. Germinoïde de cas. Yon professeur qui rele Henrik Schaff nan université nan pays Danemark créé yon robot hyper réaliste. Robot germinoïde de cas presque pas gen différence entre li même ak met li nan ressemblance, nan façon li parler et même nan geste. Et ça qui est étonnant, même capacité intellectuelle professeur a gagné. Yo intégré le robot a. Ça veut dire nan absence professeur a ou ka toujours adresser robot ça. Bien peut-être li ka bon même réponse avec. Ki non t'a bay robot ça. Robot ça rele gepa. Yo garder comportement un vrai gepa pour yo développer une artificiel. Robot ça sibi un paquet test et nan tout test vitesse yo, li poko ka égaler un vrai gepa. Li gen une vitesse jusqu'à 18 km/h tandis que un vrai gepa gen une vitesse jusqu'à 70 km/h. C'est un robot qui toujours na amélioration juste pour ka bay même performance à qui un vrai guépard. Germinoïde F. Robot Germinoïde F la joué dans plusieurs films et li kon danse. Nous ka constaté c'est une série de compétences moun kon habitué gen, c'est au même que robot sa possédé. Après danser, robot sa parle normal et li kon chante. C'est un premier robot qui joue comme actrice dans monde là. Robot sa gen yon paquet expression faciale kel ka utilise lè sa nécessaire. Ça veut dire li ka montre ke lan joie, saisi et même fâché sou. Développeur yo fait tout moyen pour yo rendre robot sa pi réaliste que possible. Bon, kounya m panse ka tire conclusion pa ou. Ki so pense? Est-ce qu'on pense réellement yon robot ka remplacer yon femme? Nous mettez pas les à l'aise en bas dans commentaire parce que c'est pour nous lié. Malé n'attendem très bientôt dans l'autre vidéo.